Bonjour Mohamed. Bonjour Jordi. C'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui avec la communauté. Je pense que ça fait un moment que je me disais comment est-ce que je vais faire pour avoir un recruteur sur la chaîne pour nous parler effectivement de recrutement, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent, et notamment des développeurs, des DevOps, des cloud engineers, etc. Et donc aujourd'hui on a pu t'avoir, donc je vais commencer par te remercier d'avoir accepté l'invitation. C'est moi que je te remercie Jordi pour cette opportunité, on va dire, pour s'adresser à la communauté des IT, pour voir le recrutement d'une autre manière, d'une autre façon. En tout cas, je pense qu'on va commencer par une présentation, pour ceux qui ne te connaissent pas encore d'ailleurs, comme ça tu pourras mieux te présenter, ton parcours, etc. Très bien, ok. Donc bonjour la communauté de Jordi, je suis Mohamed Glandora, chargé de recrutement IT chez Adservio Group depuis 2 ans. J'ai fait des études en management avec licence fondamentale en management en tant qu'administration des affaires, et après un master professionnel en ingénierie des ressources humaines en Tunisie. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que 2019 avec un cabinet de recrutement, un Manwork, si je peux bien sûr nommer tout. Ouais, bien sûr, c'est... Après, tu n'es pas. Non, il y a un sponsoring, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci, donc tu peux nommer. Voilà, je peux nommer tout. Ok, donc c'était avec 2019 avec Manwork, un cabinet de recrutement spécialisé en fait sur le recrutement des profils cadres et tout type de profils, quel que soit sur le secteur de l'informatique, d'IT ou bien sur d'autres fonctions support. Voilà, donc par la suite, j'ai un peu en fait regardé ce qui se passe sur le marché de recrutement international. En fait, plutôt j'ai commencé à national. J'avais pas en fait l'intention de regarder un peu au niveau international. J'étais plus au niveau national en Tunisie par rapport aux recruteurs. Et en même temps, l'entourage de la famille et tout ça, c'était la majorité, c'était des développeurs et des ingénieurs donc informatiques, ce qui m'a poussé à dire voilà. Donc moi je suis passionné par l'IT et tout ça, pourquoi pas, je rejoins pas l'utile à l'agréable, quoi. C'est pas, moi, j'ai fait du recrutement, j'ai la passion de l'IT, et pourquoi pas, en fait, rejoindre, directement, voilà, là, ça va se couper, hein. Voilà. Pourquoi pas, en fait, faire l'union de ces deux fields, ensemble, et j'ai trouvé le recrutement IT. J'ai décroché une opportunité avec Neosoft Group en février 2020. En Tunisie, toujours. Avec Neosoft, voilà, donc c'était une expérience agréable. C'était la première expérience, donc recruteur IT spécialisé sur les profils IT, où on a fait une formation approfondie sur les profils IT. Donc des journées de recrutement, de sourcing, des entretiens, voilà, donc sur différents types de profils IT, par exemple des développeurs full stack, des cloud, des DevOps, des profils infra. Voilà, donc par la suite, après Neosoft, j'ai switché avec Adservio Group en septembre 2022. Tunisie toujours ou... Toujours. J'ai commencé avec Adservio en Tunisie. Ok, d'accord. Voilà, j'ai commencé avec Adservio en Tunisie. J'ai fait une année en Tunisie avec Adservio. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de venir en France, de travailler voilà, donc, en France avec Adservio toujours. Voilà, donc c'était de recrutement IT. Un peu la différence entre Neosoft et Adservio, c'était plus par rapport à mes tâches quotidiennes. C'était plus de responsabilité avec Adservio Group. Surtout, point de vue de recrutement, c'était le recrutement end-to-end, donc tous les étapes de recrutement. Et ça, c'est très important de voir un peu les résultats de tous les entretiens que tu as fait après avec le candidat, d'assurer si les recruter, son onboarding, de le suivre et tout. Voilà. Donc, et je suis toujours avec Adservio aujourd'hui. Je vais rester chez Adservio. Donc c'est vraiment c'est un environnement très très convivial avec les collègues et surtout avec voilà donc les collaborateurs métiers quoi, c'est donc c'est très important aussi de garder cette relation avec les collaborateurs d'aujourd'hui quoi, qui sont chez Adservio tout ça. Voilà, donc actuellement, comme je t'ai dit, je suis en France avec Adservio depuis, ça fait une année et 3 mois à peu près. Une année et 3 mois. Ouais, une année et 3 mois, donc avec eux. Ok, j'aurais quand même une petite question au niveau de la boîte où tu étais en Tunisie, je sais pas, c'est Neosoft. Neosoft Group, oui. Neosoft Group. Est-ce que, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà à partir de la Tunisie, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui recrutent pour d'autres entreprises déjà au niveau de la Tunisie? Ou alors ils recrutent pour des entreprises. C'est-à-dire on l'appelle le recrutement offshore. Okay. C'est, on va dire, c'est
pas externaliser le recrutement, mais des entreprises, des ESN en France qui ont des filiales en Tunisie. Ah, d'accord. Et il y a des équipes de recrutement en Tunisie aussi, donc ça c'est très connu dans le monde de l'IT, surtout dans le monde des ESN. Et du coup, il y a des équipes de recrutement qui font des recrutements pour des profils, voilà, pour des opportunités en France. D'accord. Voilà. C'était pas en fait des clients en Tunisie. Certes, ouais, il y a des entreprises en Tunisie qui font de recrutement. Mais c'est pas c'est sur le continent, c'est pas. C'est pour ça en fait, je pose la question parce que je sais que sur le continent, c'est pas quelque chose qui branche beaucoup les entreprises locales, c'est-à-dire de passer par des entreprises de recrutement. Globalement, je sais que généralement, ils vont préférer pour, déposer eux-mêmes la fiche de poste, etc., pour que les gens puissent candidater. Exactement. Et pas toujours passer par des entreprises. En fait, externaliser le recrutement en Afrique, je vais parler un peu le cas de la Tunisie, c'est plus pour des profils, je m'en qualifie, des cadres. Ouais, bien sûr. Par exemple, des cadres, des directeurs généraux, tout ça, voilà, donc c'est un peu ça. Ou bien, voilà, donc pour des profils qui sont un peu en pénurie, et tout ça. Certes, aujourd'hui, par exemple, en parlant de le marché du travail, par exemple, en Tunisie, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'externalisation de recrutement, parce que il y a pas mal des entreprises qui ont déjà leurs propres projets, ce qui fait que eux-mêmes recrutent pour ces projets-là, ce projet, qu'ils ont, et ils n'ont pas besoin vraiment donc d'externaliser le recrutement vers un cabinet de recrutement pour leur ramener des profils. Certes qu'il y a aussi l'image de marque d'une entreprise qui joue. Effectivement. Voilà, donc, ici. Effectivement. Voilà. Intéressant. Ça c'est un sujet qui est très intéressant parce que bon. Il y a beaucoup de demandes en Europe. Il y a beaucoup de demandes en Europe, mais en fait, il y a beaucoup qui pensent qu'il y aura beaucoup plus de demandes, mais on va voir au fur et à mesure. On va voir au fur et à mesure. C'est pas en fin de décembre, mais plutôt un peu de ralentissement. Voilà. Donc on va en parler avec plus de détails certainement. Oui, bien sûr. Petit à petit, lorsqu'on y arrive. Ouais, lorsqu'il y en arrive, bien sûr. Certainement. Surtout le marché travail en Europe et en France plus précisément, parce que j'ai une idée par rapport en France plus que d'autres pays quoi en France. Parfait, parfait. Alors moi la prochaine question que moi j'aimerais te poser, parce qu'on se pose toujours la question de savoir un recruteur, ça fait quoi de ses journées. Ouais. Pourquoi je dis ça, parce que on sait généralement que pour recruter, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de recruter des directeurs, des DevOps, des cloud. C'est-à-dire que toi, dans ta personnalité de recruteur, forcément, tu n'as pas l'expérience du directeur. Mais comment tu fais pour savoir si c'est la bonne personne? Donc, ça, c'est toujours un truc qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à connaître si c'est un bon recruteur ou c'est un mauvais recruteur? Globalement, ça tourne sur quoi? Je crois que ce serait intéressant qu'on commence déjà par la première. À quoi ressemblent tes journées un petit peu? Okay. Et ensuite, on pourra enchaîner là-dessus. Très bien. Okay. Bah, les journées, en fait, ma journée, par exemple, qui représente presque toutes les journées d'un recruteur, c'est toujours, c'est comprendre le besoin. Ok. Donc, de l'entreprise. Voilà, bien sûr. Okay. Le besoin que tu recrutes, donc tu recrutes un profil DevOps, il faut comprendre un profil DevOps, c'est quoi, il faut comprendre un profil full stack, il fait quoi exactement. Pas très approfondi techniquement parlant, mais au moins, donc, les ABC, je vais ajouter des. Voilà. Pas que les ABC. Je vois. Donc, une journée d'un recruteur, c'est toujours commencer de sourcing. Le sourcing, c'est-à-dire, trouver, essayer de chasser des CV sur des job boards. Et aussi faire de l'approche directe sur LinkedIn, essentiellement. Et d'ailleurs, par rapport à LinkedIn, je ne te coupe pas, il y a, tu sais, tout le temps on est spammé par les recruteurs. C'est ça. C'est, en fait, tu vois, le quotidien, c'est harceler les ingénierités. Harceler, bien sûr. C'est-à-dire harceler, mais c'est pour leur bien aussi. Hein. De toute façon, moi, je les contacte pour des projets. Certainement, il y a des profils qui ne sont pas à la recherche, qui sont satisfaits. C'est pour cela, moi, je trouve qu'un recruteur aussi doit avoir un peu le sens de négociation. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à dire, voilà, donc qu'une personne va te dire, je ne suis pas à l'écoute du marché, du coup, tu vas te dire, il faut creuser plus pour savoir pourquoi, par exemple, peut-être c'est par rapport au projet, et là, par exemple, tu peux lui présenter un projet plus intéressant avec des technologies de pointe, peut-être aussi pour des contraintes personnelles, c'est là où tu peux plus intervenir parce que c'est des contraintes personnelles et tout ça, donc tu comprends un peu la position qu'il a prise par rapport à l'écoute du marché ou non. Mais c'est quoi, est-ce que vous avez une technique? Après, je sais que de façon globale vous étudiez tout ça avant de vous lancer dans le métier, mais qu'est-ce qui selon toi retient l'attention par exemple d'un profil? Parce que j'ai souvent l'impression que
vous n'êtes pas très souvent, on vous répond pas très souvent. Non. Parce qu'en une journée, tu peux avoir, je sais pas, 5 messages de recruteurs qui passent plutôt en spam. Est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence sur le marché? Parce que tu, forcément, t'es pas le seul, t'as plein d'entreprises. Ouais, c'est sûr. La concurrence existe. Ah non, existe. Encore, c'est grave. Ouais. La concurrence existe. Ce que je peux t'assurer, peut-être, il y a plus que 5 recruteurs qui te contactent par jour. Il y a une vingtaine de recruteurs. Et toi, en tant que recruteur, pour se différencier par rapport à, voilà, tes confrères, il faut être un peu original, unique dans son message d'approche, dans la façon dont tu vas vraiment, donc, si tu vas l'appeler directement, par exemple, via téléphone, si t'as son numéro de téléphone, parce que il s'est mentionné sur son CV. Donc, tu vas pas vraiment donc, être dans le classique des choses. Il faut vraiment être original dans l'approche que tu vas le faire. Comment? C'est-à-dire, il faut sortir un peu des classiques, il faut sortir un peu des phrases, que les développeurs d'aujourd'hui. Une excellente opportunité. Excellente opportunité du rêve et tout ça. Opportunité de rêve, l'opportunité de ta vie. De ta vie, ouais. C'est... En fait, moi je pense que même un profil qui va avoir ce message-là et qui va voir ça comme l'objet du message sur son compte LinkedIn, il ne va pas répondre. Ouais, c'est dit, c'est voilà. Putain qui essaie de se faire. Exactement. Exactement. Donc il faut aller directement à ce qui lui intéresse. Donc avant d'envoyer un message, de préférence, c'est toujours regarder le profil de la personne, voir ses expériences, analyser la montée en compétences qu'il a fait. Ça, c'est très important aussi. Si tu vois, par exemple, qu'il a commencé à travailler avec Java dès le début, du coup, il a fait une montée en compétences sur les technologies. Tu vois que, par exemple, sur son dernier projet, il travaille sur Java 11. Toi, tu sais que tu as des projets sur Java 17. Voilà, donc tu peux, en fait, le séduire par ça. Mis à part tout ça, mis à part techniquement parlant, tu peux le séduire. Aussi, par rapport à l'opportunité de carrière, pour voir, par exemple, s'il tente de changer, de passer en technique, par exemple. Tu vois, c'est présenter une opportunité et en même temps, deux opportunités dans le même message. Donc, certainement, c'est-à-dire en tant qu'une nouvelle opportunité dans le monde de Java et tout ça, donc c'est-à-dire une opportunité en tant qu'ingénieur full stack, par exemple, Java Angular, mais en même temps, tu lui donnes les perspectives d'évolution en passant vers technique. C'est intéressant. Certes, il y a des profils qui n'arrivent pas à voir tous les messages. Et du coup, moi je relance par des messages de relance. Des messages de relance plus sympas, plus cool, plus humains. Vraiment, donc, c'est-à-dire, voilà, donc essayer de comprendre. J'avais aimé l'approche d'une recruteuse. Ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle ne m'avait pas envoyé des messages comme ça. Elle m'avait envoyé plutôt un message pour me dire j'aime bien ta chaîne YouTube et tout. Je me suis dit, c'est une bonne personne. Je lui ai dit, on a commencé à discuter. Et là, elle me dit, il y a une opportunité comme ça. Et là, j'ai dit, oh, l'approche, elle est magique. Parce que j'ai senti qu'elle s'intéressait à ce que j'ai fait. Exactement, c'est sûr. Moi je me rappelle que ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais une fois, deux fois, que je visite même les profils, s'il y a des profils Facebook, de voir un peu c'est quoi la passion de la personne. D'essayer d'entrer vraiment et d'accrocher par rapport à la passion qu'il a. Vraiment, donc... C'est comme la recruteuse, elle t'a approché par, voilà, donc elle a vu que t'as une chaîne YouTube, que tu fais des vidéos et tout ça, donc elle a commencé à dire, voilà, donc j'ai bien aimé ta chaîne YouTube, parce que si elle a commencé son message par, voilà, j'ai opportunité, voilà, je sais pas, des obsédés. Donc, certainement, tu aurais pas la note là. Ouais, ça passe pas généralement, parce qu'en fait, généralement, il faut se dire que quelqu'un qui est qualifié déjà à l'aise là où il est. Généralement. C'est difficile que... Parce que aller dans une nouvelle entreprise tout le temps, c'est un risque, c'est un nouveau risque. Donc, pour que la personne se lâche, franchement, il faut vraiment il faut qu'il voie quelque chose d'intéressant. Exactement. Ça, c'est de un, de deux aussi. Il faut que tu lui envoies et tu lui présentes un climat favorable pour lui, pour qu'il s'améliore aussi dans cette nouvelle opportunité, qu'il ait une montée en compétences derrière, qu'il a tout un nouveau projet dans sa carrière derrière. Tu peux pas vraiment donc aussi faire quelle que soit venir une personne de l'étranger en France, par exemple, ou bien même si la personne est en France et elle va changer la boîte, comme tu as dit, le changement, c'est pas facile. Donc, il faut prévoir tout un projet derrière pour cette personne-là. Voilà. Intéressant. Intéressant. Donc, du coup, tu parlais des LinkedIn. Après, tu utilises des outils, des CRM, ou c'est des lancements plutôt manuels? En fait, sur LinkedIn, généralement, les recruteurs, nous avons un compte LinkedIn Recruiter. Ce qui nous permet, en fait, d'affiner nos recherches avec des opérateurs booléens, avec les différents filtres que LinkedIn nous donne. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, pour chercher par exemple un profil
Il faut vraiment bien viser ce profil-là, parce que lorsque tu vas l'approcher par un message ou tout ça, donc tu ne peux pas vraiment approcher un profil, par exemple, DevOps, pour lui parler d'une opportunité en France. Ou en... Effectivement. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Du coup, il faut bien mettre les termes techniques, il faut bien mettre vraiment donc, les mots-clés pour bien affiner la recherche et bien viser les bonnes personnes. Et ça me permet de rebondir sur la question que j'avais tout à l'heure, parce que là, on parle quand même, par exemple, tu as fait des études en management, mais tu te retrouves en train de recruter peut-être des DevOps. Bon, c'est vrai que tu es passionné par l'IT, mais je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de, peut-être de recruteurs. Et donc, tu as forcément des, enfin, dans le métier du recrutement, c'est quoi le bon recruteur, en fait? Le bon recruteur, c'est une personne qui analyse bien les besoins qu'il a déjà, qu'il comprend bien les besoins. C'est une personne qui connaît dans le métier. Donc, un recruteur IT, si on va parler d'un recruteur IT, au moins, il a les connaissances de base des profils IT. Donc, c'est-à-dire, lorsque je vais parler avec lui des profils, on va dire, full stack, il va comprendre ce que ça veut dire full stack, que ce soit sur la partie front, et tout ça. Donc, un bon recruteur, c'est une personne qui, lors de son approche, tu sens l'humain. C'est pas un robot qui envoie des messages, c'est pas un robot qui contacte, tu sens l'humain dans son approche, qui garde le contact avec les candidats, avec les collaborateurs, parce que voilà, donc même si par exemple aujourd'hui un candidat, voilà, donc il est ferme, il n'est pas le coup du marché, tu laisses toujours la porte ouverte, vous partagez ensemble voilà, donc le contact, vos contacts, et voilà, vous gardez un peu ce contact-là, parce que un jour, voilà, il peut revenir vers vous, si tu gardes en fait... Si tu as été même différent dans, dans beaucoup de choses, dans l'approche et un certain nombre de choses par rapport aux autres recruteurs, bien sûr. Tu deviens directement peut-être la personne qui va contacter. Exactement, parce que il va se souvenir de toi. Il va dire, ouais, Mohamed, il m'a contacté, c'était des échanges rapides sur LinkedIn, mais c'était remarquable, quoi. Il les a pas oubliés. Aussi, il y a la partie de la connaissance des outils de recrutement. Pour un bon recruteur, là on parle que ce soit sur LinkedIn, sur APEC, par exemple en France, en général les ATS aussi, donc l'Application Tracking System. Voilà, donc la bonne connaissance de ces outils-là, ça permet au recruteur d'avoir une vie plus facile, un quotidien plus facile. Voilà, pour tout ce qui est gestion des candidats, pour tout ce qui est, on va dire, gérer son process de recrutement, assurer de ne pas avoir un process de recrutement très lent, de ne pas vraiment, donc, vraiment, l'essentiel c'est d'avoir un process de 2 semaines et de ne pas s'allonger trop dans le process. Voilà. Et le process de recrutement, quand tu dis process de recrutement de 2 semaines, c'est dans les 2 semaines, c'est quoi concrètement? C'est onboarder la personne, envoyer un message, c'est quoi? En fait, déjà, on va dire que le processus de recrutement, ça commence déjà dès qu'on a reçu le besoin. Ok, d'accord. Dès qu'il y a le besoin, il y a tout un processus qui va commencer. On va dire la publication de l'annonce, après quel que soit le traitement des candidatures, en parallèle tout ce qui est sourcing, approche directe sur LinkedIn, après les entretiens. Quel que soit niveau RH, par la suite niveau technique. Après, il y a, voilà, donc si la personne elle sera validée, il y a la proposition, le contrat, et en arrivant à l'onboarding. Okay. Donc ça, c'est tout le processus de recrutement. Les 2 semaines, pour moi, c'est entre l'entretien, le premier échange qu'ils veulent faire, et le dernier échange. Ok. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est sûr. D'accord. 2 semaines, je vois. Bah, 2 semaines maximum. C'est la 2 semaines entre les échanges, proprement dit, le premier contact avec le candidat, et le contrat que tu vas lui envoyer. Effectivement. Voilà. D'accord. Après, si on va parler de tout le processus de recrutement, comme je te l'ai raconté, là, aujourd'hui, la moyenne en France, c'est 11 semaines. Voilà. Avec contrat, faire les papiers. Avec l'analyse des besoins, avec la recherche des profils, trouver les profils, trouver la bonne personne et faire le contrat. Et voilà, donc l'emborder, ça, c'est tout dépend. S'il a un préavis, s'il n'a pas un préavis, s'il est dispo, voilà. Donc, c'est tout dépend. Mais généralement, la moyenne aujourd'hui, qui a été en fait en 2023, quoi, c'est en semaine. Voilà, donc depuis, c'est la source, c'était le dernier article par RH Matin. C'est plus ou moins rapide en fonction de boîte. Ça dépend aussi des en semaine, là, on parle de presque de 3 mois. À peu près 3 mois. Voilà. Un bon recruteur aussi, pour rester sur vraiment la question d'un bon recruteur, c'est d'avoir vraiment, donc on va dire,
l'esprit d'analyse. Il faut bien analyser on va dire, tout ce qui est les compétences techniques des candidats. Comprendre comment elle correspond avec vraiment donc, le besoin que tu as. Comprendre comment vraiment tu vas avancer avec ce candidat et analyser dès le début son CV déjà. Okay. Analyser son CV. Il faut préparer déjà l'entretien. Un bon recruteur qui prépare son CV. Ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'un recruteur fait, par exemple, là on parle de l'IT, c'est plus spécifique pour nous. Est-ce que tu fais des interviews, des entretiens, je sais pas, techniques si on peut parler, on peut un peu rester sur le cadre de l'entretien. Par exemple, quand tu fais le premier entretien, généralement, c'est quoi? Est-ce qu'un recruteur déjà IT peut faire un entretien technique? Aujourd'hui, le recruteur IT, faire un recrutement technique, mais non, c'est pas très approfondi techniquement. Okay. Il va faire le premier crémage technique. C'est-à-dire, il va certainement poser des questions techniques. Et parfois, même les candidats, bah, ils se posent la question. C'est pas le premier échange. C'était pas normalement censé RH, soft skills. Là, ça pousse déjà trop, là. Moi, honnêtement, mon entretien, c'est plus, certes, il y a la partie soft skills, tout ça, mais aussi pousser techniquement. Aujourd'hui, je prépare mon entretien comme si un candidat qui va préparer son entretien. Okay. Je sais très bien que j'ai un entretien avec une personne, donc je vais regarder son CV, je vais voir voilà, donc il a fait quoi, ce qu'il a fait, et je vais me renseigner aussi, certainement. Aujourd'hui, avec vraiment donc, la porte ouverte de l'Internet, tu as tout, ChatGPT, tu as tout, tu demandes. Si tu veux savoir un peu la différence entre des technologies, entre vraiment donc, des frameworks, un truc comme ça, la différence des versions, tout ça. De préférence, voilà, donc tu prépares à l'avance ton entretien, ton recruteur, pour que tu sois directement dans le cible. Tu ne vas pas poser des questions comme ça à RH. Même le profil peut s'en rendre compte. Il va se dire, c'est quoi cette entreprise? Exactement. En fait, déjà, pour moi, je trouve, et je pense que un profil IT passionné par ce qu'il fait, il va dire, c'est donné un entretien, le premier crémage technique. Ce qui va dire que voilà, c'est directement, on est entré dans le sujet technique. Parce que je sais très bien, vous, en tant que des profils techniques, vous n'aimez pas trop en fait, le blablabla de la partie RH. Voilà, donc c'est ce que j'ai remarqué. Mais ça, c'est très essentiel aussi. On va en parler par la suite, voilà, donc, si tu veux, de ce qu'un profil technique aussi doit en avoir pour aujourd'hui se concurrencer par rapport à ses collègues et voilà, donc, ses amis dans le marché IT. Donc, c'est-à-dire que concrètement, si on reste un peu dans le cadre du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu recrutes un talent de l'Afrique, concrètement, c'est à peu près combien d'entretiens? C'est-à-dire que je comprends qu'il y a une première partie qui est un peu, on va essayer d'ébaucher les technologies que le talent maîtrise, mais après, ça, comment ça se passe par la suite? Combien, en moyenne, tu penses qu'il y a combien d'entretiens et tout? Ok, ça dépend. Je vais parler en moyenne en général, et après, je vais te parler du cas d'interview. Ok. En général, c'est entre 3 et 5 échanges. Ah. Il y a des entreprises qui... J'ai des amis, j'ai un cousin qui a passé 5 échanges. Oh. Voilà, 5 échanges, vraiment, c'est très très long, moi, je trouve. En tant que c'est très long, c'est pas agile, ça. Voilà, 5 échanges à chaque fois. Donc, il y a un premier échange RH, par la suite, certainement, il y a un échange avec le team lead de l'équipe que potentiellement on va travailler avec. Par la suite, il y a un échange technique plus approfondi. Par la suite, il y a un échange avec le CEO, tout ça. Donc, il y a des personnes... il y a des personnes, en fait, qui entrent dans le processus de recrutement qu'on peut vraiment dire que vraiment, on n'a pas besoin de ces personnes-là dans le processus de recrutement. Dans notre cas, chez Interview, on est sur 2 échanges seulement. Vraiment, on a essayé de minimiser ces échanges, voilà, donc ces entretiens. On est à 2 échanges. C'est pour ça que notre premier échange, notre premier entretien avec les candidats, c'est généralement RH et remontée technique. On a aussi, avec un petit test technique, vraiment, donc un petit test ensemble qu'on passe avec le candidat. C'est voilà, donc, un peu pour analyser un peu sa façon de coder. Est-ce que c'est... Je sais qu'il y a chaque entreprise à sa façon de faire. Il y en a qui envoient des tests techniques comme des coding games et tout. Je ne sais pas, certains... est-ce que tout ça, c'est un choix ou... Ça dépend du feeling que tu as avec la personne. Tu te dis, bon, je vais faire passer un test. Ok. En fait, c'est pas question d'un choix. C'est plus de feeling, mais en même temps, tu as un processus qu'il faut le respecter aussi. Parce que pour ne pas faire du favoritisme. Parce que pourquoi, par exemple, tu passes un test, par exemple, technique avec cette personne et tu ne le passes pas avec une autre. Moi, honnêtement, si, par exemple, je trouve
une personne, voilà, un test, ça peut être un petit exercice de code rapide aussi. Hein. Mm-hmm. C'est pas vraiment de quelqu'un qui s'approfondit ou le candidat doit vraiment donc, consacrer 2 heures pour le faire. Mm-hmm. Voilà. Du coup, ce qui fait que quoi? Que déjà, tu as fait le premier écrémage, c'est-à-dire t'as, sur la partie soft skills, ton côté RH, tu le valides par exemple, sur la partie technique, à les connaissances que tu as déjà, par rapport à ce qu'il a fait dans son test, tu le valides. Mmh. Tu vois? Bonjour. Donc, directement, le deuxième échange pour nous, par exemple, ça va être avec un expert technique et un directeur de business unit. Mmh. C'est un entretien en binôme, ça sera une partie technique et une partie qu'est-ce qu'il y a comme projet par rapport à la vue qu'elle a demandé ce besoin-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme projet la partie technique, il va être plus poussé techniquement. Il n'y aura pas de test technique, mais ça va être plus poussé techniquement par rapport à ce qu'il a fait. Mmh. Toujours à ce qu'il a fait le candidat. Mmh. On ne va pas lui dire un truc qu'il n'a pas fait sur son CV, qu'il ne s'est pas mentionné sur son CV. Ah, voilà. Mmh. Donc, effectivement. C'est pour cela, pour les candidats, pour moi, il faut bien rédiger leur CV. Mmh. Parce que tu vas être jugé par rapport à ce que tu as dit. Il faut pas que tu racontes n'importe quoi dans le CV. Exactement. Parce que t'en as des candidats qui peuvent mentir dans le CV. Ah oui. Ça existe. Ah, là, je t'assure, aujourd'hui, j'ai vu des CV où il y a du Java, du PHP, du .NET, toutes les technologies, c'est mentionné. Le mec, il était sur Mars. Voilà. Et tu trouves, c'est un profil, par exemple, de 5 ans, 6 ans d'expérience, se trouve comme ça. Mais vraiment, par exemple, toi, t'as un besoin du Java. Tu vas dire, mais réellement, il a travaillé, par exemple, 6 mois sur Java. Mmh. Tu vois. Mais parfois ça existe aussi, hein. Ça existe. Parfois c'est vrai. C'est pour ça en fait, comme tu disais peut-être finalement, il faut des tests pour véritablement tester, exactement, et savoir un peu le niveau du candidat et tout. Exactement, ça existe. Bah, c'est pas mal ça, mais en même temps, se spécialiser sur une technologie et travailler sur cette technologie-là et monter en compétence sur cette technologie-là, moi je trouve plus intéressant que toucher 5-6 technologies et tu maîtrises à 40% voire 50% maximum toutes ces technologies. Mmh. Vraiment de préférence. Mmh. Avoir un truc, quoi. Spécialisé, ouais, voilà. Avoir un truc, oui. Bah, après, tu peux switcher, hein. Mmh. On a un collaborateur aujourd'hui chez AdServio qui a fait du .NET et du Java, avec 12 ans d'expérience. Ouais, 6 ans. Ouais. Tu vois? Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tu mets un truc. Une fois que tu mets une base, en fait. Ça, tu le maîtrises. Faut que ce soit, si on dit on veut. Voilà. Un dev PHP. Faut que, majoritairement, sur ton CV, soit du PHP, quoi. Exactement. Ça doit être le truc qui rayonne. Bah, bien sûr. Et en même temps, il y a un truc que j'ai remarqué, voilà, donc aussi sur les profils. Si par exemple, une entreprise, là je parle de façon générale, demande, voilà, par exemple, un profil de 3 ans, par exemple. Toi, en tant qu'un profil sorti d'école, jeune diplômé, je te conseille pas de postuler directement sur l'annonce. Si vraiment, donc, tu veux décrocher ce job-là, tu contactes le recruteur de la boîte directement sur son messagerie, LinkedIn, ou un truc comme ça. N'envoie pas ton CV avec, voilà, donc avec les autres CV, c'est-à-dire, parce que tu vas tomber dans une poule, on va dire. Et forcément, t'es pas le plus, il y a toujours exactement. Et en même temps, il y a des logiciels aujourd'hui qui filtrent les CV avant même que le recruteur les regarde. Ah oui, en amont. Ouais. Donc, c'est très connu, ça. Donc, par exemple, moi, je vais, c'est comme un peu de la... En fait, ce que tu nous dis là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que, la plupart des CV ou bien des jobs sur lesquels on postule sur LinkedIn, en réalité, les humains ne regardent même pas. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui filtrent en amont. Il y a juste gardé, en fait. Il y a des entreprises, exactement, qui ont des logiciels qui filtrent déjà les CV qui ne correspondent pas. Ah ouais, je comprends pas. Voilà. Et après, la personne, elle va dire, bah, ils m'ont pas contacté, ils m'ont pas donné un retour. Bon, voilà. Et ça met en péril la personne aussi. Tu envoies ton CV, tu candidates, tu postules. Mm. Tu ne reçois pas un retour, ni positif ni négatif, ça c'est mal. Mmh. C'est mal vu, même en tant qu'entreprise, tu vois. Mmh. Mais assure-toi qu'il y a des logiciels derrière qui filtrent en amont et que le recruteur ne les voit pas. Mmh. Par exemple, tu as mis comme exigence 5 ans d'expérience, par exemple, les profils qui ont 3 ans, ben, forcément, tu ne vas pas les voir. Voilà. Ah ouais. Et c'est pour cela, moi, je conseille ces gens-là, ces personnes-là, de faire quoi? Tu veux ce job-là? Tu contactes directement le recruteur. Mmh. En fait, je vais te raconter un truc. Il y a une personne qui m'a contacté directement sur LinkedIn par message. Mmh. Voilà, donc il m'a envoyé une invitation de relation sur LinkedIn. Je l'ai accepté par message. Il m'a envoyé un message. Et il m'a dit, certes, je suis jeune diplômé, mais ce que je fais, c'est ma passion et je suis très doué dans ce que je fais. Mmh. Et du coup,
Et moi, tu m'envoies un message comme ça, même si tu es jeune diplômé, mm-hmm. me dire, voilà, cette personne-là a déjà pris le temps de te contacter, mm-hmm. a pris le temps de t'écrire un message personnalisé à toi. C'est comme un ingénieur, il veut avoir un message personnalisé à lui. Mm-hmm. Toi, tu vas envoyer un message personnalisé à un recruteur, parce que mm-hmm. moi, en tant que recruteur, tu m'envoies un message, je sais très bien, c'est un message générique ou non. Ouais. Tu lui envoies, ouais, tu envoies ce message-là à tous les recruteurs ou non. Mm-hmm. Tu vois. Et voilà, donc il y a aussi de l'empathie, mm. parce que quand même, mm. une personne jeune diplômée qui dit donne-moi ma chance, mm. ah ben, je vais lui donner la chance, mm. parce qu'il y a des pépites dans la vie. Il y a des gens qui vraiment, donc qui, mm. qui méritent d'avoir cette chance-là et de mm. ne pas regarder seulement leur CV et les juger sur les CV. Mm. Les personnes ne sont pas une seule feuille. Il ne faut pas résumer la personne en une seule feuille. Il faut passer au-delà de ça. Mm. Et voilà, et c'est vraiment ce côté humain dont tu parlais. Là, ouais. C'est très essentiel. Ouais. Ah, oui. Un recruteur qui va s'arrêter sur les exigences qu'il a, mm. et petit à petit, il va devenir un robot. Ouais, il va oublier son côté humain. Mm. Il va oublier qu'il donne des opportunités à des gens pour un avenir meilleur, quel que soit techniquement parlant, mm. ou bien même sur la partie pécuniaire, tout ça. Mm. Mais il ne faut jamais oublier son côté humain. Son côté humain, c'est très essentiel. Alors, une question, on va essayer d'avancer. Ça, c'est des questions que des personnes m'ont personnellement envoyées par rapport à cet entretien. C'est quoi la plus grosse difficulté de recruter en Afrique, par exemple? C'est-à-dire des profils en Afrique pour... oui, globalement, je sais que la plupart des boîtes européennes veulent prendre la crème de la crème. Ouais. Donc, forcément, des seniors qui sont en priorité. C'est quoi la difficulté actuellement de recruter, je veux dire, vraiment dans tout le process, hein, pas juste sourcer comme tu disais, okay. dans tout le process, faire venir en Europe, etc., tout ça, c'est quoi la réalité? Aujourd'hui, par exemple, en Europe, il y a pas mal de pays qui ont mis des process plus faciles pour recruter en Afrique, pour recruter des profils qui viennent de l'Afrique. Voilà. Sinon, si on veut parler de tout ce qui est process administratif et tout ça, c'est pas ça le problème. Ah, bon. Le problème, en fait, n'a jamais été des papiers. Des papiers. Ah. Donc, parce que, par exemple, en France, il y a trois catégories de papiers que tu peux faire pour un profil qui va venir de l'étranger. Okay. Voilà. Soit tu vas le recruter en tant que salarié. Ok, normal. Bien, voilà, salarié normal, donc il va passer par le FI et tout ça. Mm-hmm. Soit tu vas le recruter en tant que salarié qualifié, ce qu'on appelle et ce qui est connu par... passeport talent. Mmh, et ce qu'on appelle passeport talent, il y a passeport talent entreprise innovante. Mmh. Et là, c'est un avantage que la France a mis pour faciliter. Mais pour avoir le label entreprise innovante, il faut avoir un projet innovant, un projet vraiment qui est dans l'innovation avec des nouvelles technologies et tout ça. Mmh. Et que les personnes que tu vas aller recruter, qui vont travailler sur ces projets-là et tout. Mmh. Voilà. Donc, mis à part ça, il y a le passeport talent qu'on appelle carte bleue européenne, c'est le CBU, avec un salaire minimum, aujourd'hui à peu près dans les 53 800, un truc comme ça. Okay. Voilà. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui ont un peu de la réticence par rapport à passeport talent, CBE. Ah, CBE, voilà. Des points de vue entreprise, mais pas du point de vue talent. Point de vue talent, c'est intéressant. Ouais, du point de vue talent, c'est intéressant, bien sûr. C'est du point de vue entreprise parce que l'entreprise paye des frais pour amener une personne de l'étranger, lui donner un passeport talent, carte bleue européenne, donc CBE. Mm. Donc elle a des frais à payer. Mm. Mais l'entreprise innovante, elle ne paye pas vraiment. Elle a des frais aussi, mais le minimum, c'est différent. Okay. Aujourd'hui, par exemple, le minimum d'un salaire que tu dois le donner à une personne qui vient de l'étranger dans le cadre d'une entreprise innovante, c'est 42 406 €. Ok. Voilà. Donc, tu lui donnes par exemple 43 000, 45 000, donc t'es au-dessus des 42 000 requis par la loi, et t'es au-dessous des 53 000 pour le CBE. Ok. Donc, faut être au milieu, en fait. Mais sur le plan administratif, tu peux même lui donner ça à 60 et faire une entreprise innovante. Okay. Voilà. Il n'y a pas, en fait, c'est pas, si tu dépasses les 53, tu dois obligatoirement le faire venir en tant que passeport dans CBE. Mm-hmm. Voilà. On l'a dit, finalement, donc c'est pas les paperasses qui... Le plus gros problème, c'est en fait. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, c'est la nature des projets et les technologies dans les projets. Mmh. Il y a quelques entreprises qui travaillent avec des technologies de pointe. Généralement, la majorité des projets, c'est des projets avec des legacy. Ce qui fait que, et ça c'est malheureux, hein, je le trouve, parce que
tu trouves des profils avec des 8 ans, 9 ans, même plus d'expérience, mais réellement, techniquement, si tu vas le transposer sur le marché français, il vaut 4 ans, 5 ans max. Ah ouais? Ouais. C'est ouf. La différence, en fait, sur les avancées technologiques utilisées dans les projets IT entre le marché européen en général et le marché africain, malheureusement, il y a très grande différence. Il y a quelques pays où vraiment, donc il y a des ESN connus qui ont installé leur filiale là-bas et qui professionnalisent leur projet là-bas. Là, c'est pour des coûts, donc moins de coûts, des coûts réduits. Mais sur la partie technique avec des, par exemple, des entreprises locaux, plutôt des entreprises locales, des entreprises avec, en fait, il y a pas mal de projets avec des entreprises locales où il y a malheureusement des développeurs qui travaillent avec des legacy. C'est pour cela, moi, la première chose que j'aime bien dire à tous les développeurs de toute l'Afrique, c'est de toujours actualiser vos compétences techniques. Même si, par exemple, l'environnement du travail et l'environnement technique dans le pays... C'est pur et tout ça. Voilà, donc c'est un peu l'ancienne. N'hésitez pas à faire des formations, n'hésitez pas à rester en veille technologique, n'hésitez pas à faire des projets en freelance. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes comme Upwork, Fiverr et tout ça. Voilà, donc qui vont te pousser à faire des projets avec des technologies, on va dire, plus récentes. Et ça, même en parallèle de ce que tu fais dans le quotidien, tu vois. Parce que après, il faut que tu sois prêt pour le marché européen, que tu le vises. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est le plus... Mon souci, c'est vraiment ce volet de transposition de compétences qui gêne véritablement. Mais est-ce que c'est le cas avec la nouvelle génération de développeurs, je veux dire, des confirmés qui ont 5 ans, 4 ans, 5 ans? Aujourd'hui, les confirmés, on va dire, qui ont 4 ans, 5 ans, il y a moins de problèmes avec. Pourquoi? Parce que c'est déjà, ils sont plus ouverts que les anciens par rapport au monde. Ils savent très bien utiliser les nouvelles technologies. Alors on parle de, par exemple, ils savent très bien comment se vendre d'un. Ils savent très bien quel chemin ils veulent l'emprunter. Ils savent qu'ils veulent, par exemple, devenir des architectes dans des technologies et tout ça. Ce qui fait qu'ils préparent dès le début de leur carrière, même si, par exemple, ils travaillent avec une entreprise qui n'a pas assez de l'opportunité avec des technologies récentes, ils n'hésitent pas vraiment à chercher ailleurs. Ils n'hésitent pas à faire des formations en ligne, à se certifier, et tout ça. Et ça, c'est très essentiel. Et ça, c'est important, les certifications. Parce qu'au final, si la compétence n'est pas reconnue, au moins, sa certification, elle est... Il y a pas mal des gens qui pensent que les certifs, c'est juste, du papier, quoi. Il a fait partir. Non, mais les certifs, c'est très essentiel. Pourquoi? Parce que, tu sais, par exemple, moi, je vais dire que Jordi maîtrise X ou Y technologie, tu vois. Okay. Je peux dire ça. C'est comme la carte d'identité par la suite, la certif. C'est comme si tu es bien référé. En fait, on va dire plutôt, si on va dire Jordi, il maîtrise par exemple Docker, ou bien Kubernetes, avec une certif sur le CV, je peux dire que réellement, tu maîtrises. Okay. Certes, il y a des certifs. Certes, bah, il y a des certifs. Mais sur le point de vue technique, il y a des niveaux dans les certifs. Bon, okay. Il y a les fondamentaux, il y a après les practitioners, il y a vraiment. Il y a des niveaux. Bah, tu peux pas, on va dire que, par exemple, AWS Fundamentals. Honnêtement, j'ai le certif de LinkedIn sur .NET. Si tu mets sur un code .NET, je suis un profil IT, je suis un profil recruteur, issu de formation de management. J'ai pu décrocher un certif .NET sur LinkedIn, tu vois. Donc, quand même, certes, c'est pas se certifier, c'est-à-dire faire les fondamentaux des technologies, mais creuser au-delà, tu vois. Après, par exemple, aussi, ce que je conseille les gens de faire, par exemple, si tu passes ce niveau-là, toujours mettre le dernier niveau que tu l'as obtenu. Ça sert à rien de mettre vraiment donc fondamental après les trois autres niveaux. Ouais, tu mets le dernier, en fait. Tu mets le dernier, on sait très bien. C'est très essentiel. Donc, les certifiés, moi, je conseille vraiment donc les gens de se certifier. Ouais, je pense que leur technologie, leurs compétences techniques qu'ils ont. Voilà. Là, tu as répondu en avance à la prochaine question qui était de savoir quel est le conseil que tu donnerais en fait aux confirmés, aux seniors, aux profils qui aimeraient
on va dire s'exporter à l'international. C'est ça. Voilà, pour, donc voilà, se certifier, voilà. Essayer vraiment donc de sortir un peu du lot. Effectivement. Voilà, donc aujourd'hui le marché, voilà, donc c'est un marché très très concurrentiel. Est-ce qu'on peut dire ne cherchez pas l'entreprise où vous trouverez. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça c'est oui et non. Oui et non. Oui et non. Oui, dans le cas où vraiment donc par exemple c'est un bon profil. Mm-hmm. C'est-à-dire quoi un bon profil? C'est-à-dire en fait tu travailles avec des technologies de pointe, vraiment donc tu sais te vendre et tout ça sur ton profil LinkedIn, t'as tout mis et tout ça. Donc certainement l'entreprise aussi va t'approcher, mais en même temps l'approche sur LinkedIn par exemple, ça veut pas dire que c'est bon, t'es le meilleur. Il faut pas être très arrogant aussi, dire voilà, donc je suis certifié, je suis voilà, donc les dieux de Amazon x7. Voilà. Et les dieux de cette technologie, non. Il faut jamais dire que oui, je sais ça. Il faut toujours creuser plus. Parce que tu sais très bien aujourd'hui, tu es dans le domaine et qu'il y a toujours des mises à jour, il y a toujours de l'avancée technique. Et ce qui se passe aujourd'hui en 2024, personne n'a jamais pensé, imaginé que il y aurait d'avancées techniques en 2020, dans les années 2000. Début 2023, personne ne s'est rendu compte que l'IA allait être ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde prend pour acquis, comme si ChatGPT a toujours existé. Exactement. Il y a 2 ans de cela, tout le monde disait bah, l'IA, ça va jamais. Personne n'y croyait. Personne. Et même les personnes qui croyaient vont dire j'ai jamais dit que ça va être assez rapide. Là, comme ça, tout de suite. Ouais. Voilà, c'est tout de suite. C'était dans 10 ans, 15 ans. Exactement, là, on dit en 2030. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça, c'est la technique. C'était toujours comme ça, en fait, la technologie. C'est toujours comme ça, entre la différence d'un PC en 2005 et d'un PC aujourd'hui. Non, c'est lunaire. Voilà, tu comprends tout, hein. Voilà. Ok. Ça c'était intéressant, ça c'était pour les petites questions, pour les gens qui nous suivent, pour les talents. Globalement, je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, de toute façon, on verra comment répondre. Alors, si on revient sur le marché européen, essayons un peu d'étudier ce marché. Moi, la première question que je pose déjà, avant que tu vas peut-être nous donner un peu le contexte du marché européen, c'est pourquoi est-ce qu'actuellement on recrute plus en Afrique que par exemple de recruter, en Asie? Je sais pas. Ok. Par exemple en France? Tu prends l'exemple de la France particulièrement. Ouais. Okay. Après, tu as d'autres pays quand même, mais je sais qu'ils recrutent beaucoup plus. Ouais, de la France parce que, c'est la langue. La langue, ok. Ouais. Okay. C'est la langue aujourd'hui. Ouais, 14 pays. Voilà, donc il y a pas mal de pays en Afrique qui parlent français. En fait, et la première langue, c'est soit le français, soit en fait, au minimum, c'est la deuxième langue. Ouais. Ce qui fait que ces personnes-là maîtrisent le français. C'est plus facile en termes d'insertion professionnelle que des profils, par exemple, anglophones. Et en plus, si tu as la majorité, on va dire, des projets que tu as, c'est des projets avec des clients francophones. Donc là, tu vas chercher des profils qui sont francophones et avec un anglais qui est toujours... Ce sera un atout, quoi, l'anglais, tu vois. Mais c'est pas un projet, par exemple, full English où tu vas vraiment... T'as besoin automatiquement. Voilà. Généralement, ces profils-là de l'Asie... de l'Inde et tout ça, ils trouvent plus d'opportunités en multi. C'est vrai. UK, US, Canada. Exactement. C'est ça, parce que ce sont des profils anglophones. C'était toujours comme ça et c'était depuis... Ça a été toujours comme ça. Hein. La relation entre la France et l'Afrique. France-Afrique. Voilà. Mais voilà, c'était des échanges. Aujourd'hui, c'est les personnes qui... ceux qui veulent venir de la France, et même la France a besoin de ces personnes-là. En termes de main-d'œuvre, aujourd'hui en France, sur les profils IT, les entreprises françaises ils vont juste se concentrer sur ce qu'il y a en France, des profils qui sont en France, ça ne va pas suffire. Ah ouais. Ça ne va pas suffire parce qu'il y a pas mal de projets. Ça, c'est ce qui était avant Covid. Parce qu'après Covid... La donne a changé. Après Covid, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ce qui s'est passé, c'est des pics, après des os en termes de recrutement, après des ralentissements. Ouais. Donc, ouais. Ok.
Intéressant. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu du marché européen par rapport au marché européen aujourd'hui, si on va parler du marché français, en 2023, par exemple, il y en a 85% des entreprises qui ont, on va dire, que leur recrutement, on va dire, c'était plus stable ou vers la hausse, quoi. Tu vois, y a un peu de ralentissement après le Covid. Après le Covid, juste après le Covid, il y a eu une pic de recrutement. Ah. Ouais. Après le Covid, il y a pas mal d'entreprises, surtout en France, qui recrutaient depuis de l'étranger, donc offshore. Ce qui fait que le marché français aujourd'hui, il est saturé. Presque saturé, quoi. Presque saturé. Ouais. Aujourd'hui aussi, ce qu'on remarque, surtout en 2024, et plutôt fin 2023 et début 2024, c'est une entreprise sur deux, dans le monde de l'IT, recrute plus des profils confirmés et seniors que des jeunes diplômés comme avant. Ah, c'est mort. Alors, la tendance aujourd'hui sur le marché européen, c'est plus de recruter des profils seniors. Voilà. Imagine 50% des entreprises. Lorsque tu dis une entreprise senior, c'est 5 ans et plus. Ouais. Là, on parle des profils minimum 5 ans d'expérience. Cette démarche, c'était à cause aussi des clients. Aujourd'hui, il y a des clients qui sont plus exigeants en termes de compétences, de connaissances techniques, ce qui fait que la majorité des clients demandent des consultants avec un minimum de 5 ans, 6 ans, je ne te cache pas aujourd'hui, il y a des besoins aussi, tu vois, des 10 ans d'expérience. Toi, avec ton recruteur, avec un marché concurrentiel comme ça, avec le freelancing qui n'arrête pas de bouffer tout le marché, vraiment, le marché... Voilà, donc ça devient chaud. Ça devient chaud. Parce que le marché en fait, de l'emploi aujourd'hui reste toujours sous tension. Ça, c'est sûr. Malgré que vraiment, donc, on a parlé d'un ralentissement de recrutement, mais il y a toujours la demande. Ça, c'est sûr. Il y a toujours la demande, il y a toujours vraiment, donc, ça marche sous tension. Là, on a quelques chiffres. Là, on parle de vraiment donc, la création de ce secteur-là, le secteur de l'IT, qui a créé en France en 2000. Fin 2022, début 2023, parce que les chiffres de toute l'année 2023 qui sortent bientôt, voilà, donc, dans le premier trimestre 2024, il y a 47 000 emplois nets. Nets, c'est-à-dire, voilà, donc les emplois, ceux qui sont été déclarés, pour l'emploi, bien en fond, bien APEC et tout ça. Voilà, donc, ça dit combien ? 47 000. Voilà. Ce qui est représenté, en fait, sur chaque nouvel emploi en France, un emploi sur 6, c'est de recrutement dans le secteur d'IT. C'est considérable, ça. Ouais. Là, si on parle des profils IT, ouais. Un recrutement sur 6, c'est des profils IT. Donc, du coup, ça reste toujours un marché sous tension. Comme je t'ai dit, la partie freelance, aussi l'apparition beaucoup des entreprises qui font du portail salarial, ce qui fait que la majorité des profils aujourd'hui veulent s'orienter vers... Ce modèle-là, le portage et le freelance. Ce qui fait que nous, en tant que recruteurs, qui recrutent en fait des profils plus pour des opportunités, en fait, sur des profils, on va dire, pour des contrats CDI, ça devient plus difficile aussi, double effort pour convaincre ces profils-là de ne pas s'orienter sur le marché. Surtout les confirmés seniors, hein, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais en même temps, c'est pour cela, moi, je suis plus dans l'approche projet et salaire. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier aujourd'hui que pour ces profils-là, c'est important le salaire. Il faut accepter de payer aussi. Il faut accepter de payer. Ouais. Exactement, tu as bien dit, Jordi. Aujourd'hui, les entreprises ont commencé... à se poser la question, est-ce qu'on paye bien pour que la personne ne s'oriente pas vers du freelance ou non, ce qui fait qu'il y a certainement une marge derrière, l'entreprise certainement son objectif, et c'est voilà, donc ouais, c'est de rester en vie, de croître et de voir plus de clients, et tout ça, ça vaut de l'argent derrière, mais en même temps d'assurer l'équité de salaire. L'équité salariale, on va dire, par rapport au marché. Voilà. Tu ne peux pas certainement concurrencer un profil freelance, 100% freelance, depuis des années. Donc, il ne faut jamais se comparer à un profil, il ne faut jamais se dire que j'ai un profil, je connais quelqu'un qui est freelance, par exemple, depuis 6 ans, 7 ans, qui touche 10 000 euros, 15 000 euros par mois, et après, tu
te regardes à toi, tu te dis, bah là, j'ai foncé vers du freelance, tu as 6 ans d'expérience, avec en fait un marché qui est sous tension, avec des clients plus exigeants, ça va être un peu la cata. Il faut bien m'étudier. C'est vrai que c'est attirant parce que voir des gars qui ont des TGM de 750, ouais. 800. Même 1000. Hein. Et même 1000, et vous faites le même truc. Exactement, même 1000. Exactement. Mais moi, profondément, je crois au CDI. Parce que ça apporte quand même une certaine sécurité, il faut le dire, et qui fait que tu ne dépendes pas trop des fluctuations sur le marché, surtout quand tu es vraiment un profil qui veut se concentrer uniquement vraiment dans ton truc. Ouais. Et si aussi tu as vraiment tu veux construire véritablement une carrière, un certain truc avec la boîte, mais il faut aussi que la boîte ait un vrai projet pour toi. Exactement. Il faut que tu puisses quand même être bien rémunéré pour te dire, ok, moi je suis à l'aise, ça me va. Et c'est vraiment le juste milieu, quoi. Faut vraiment que les deux arrivent à s'entendre parce que à un moment donné, il y a talent aussi. Il y a deux chemins qui doivent toujours être en parallèle et avec le même niveau. C'est la rémunération et le plan de carrière. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, pour recruter une personne en CDI, il faut lui bien présenter certainement son plan de carrière et en même temps la rémunération qui le sécurise en termes, en fait, en parlant de tout ce qui est besoin quotidien de la vie, quoi. Effectivement, oui. Voilà. Pour ne pas se sentir, si un jour il va se sentir dans le besoin, même pécuniaire, il va dire, ok, j'ai 6 ans, 7 ans d'expérience, là je pense que c'est le temps pour gagner plus d'argent, tu vois. Mais avec un marché instable, avec beaucoup de fluctuations, ce qui s'est passé en 2022-2023 sur le marché d'IT et le marché européen, en Europe, en général, les événements qui se passent à côté, la guerre de l'Ukraine. Ouais, effectivement, il y a tout ça qui... Il y a tout ça qui entre en ça, jeu. Ça complique. Moi, perso, comme je te disais, en fait, moi, je crois plus au CDI. Pour moi, c'est mieux d'aller en CDI. CDI vers CDI. Même si tu changes de boîte, c'est mieux d'aller en CDI. Parce que, en fait, si t'es pas... Le freelance, c'est bien, mais si t'es pas prêt et tout... Exactement. Et comme tu disais, il y a des moments où il faut changer. C'est pas à tout moment, tu vas te dire, ok. Il faut bien étudier le changement. C'est-à-dire, faut pas dire, ok, demain, par exemple, demain, c'est-à-dire 3 ou 4 mois, tu vas être freelance. Il faut que tu fais l'étude du marché sur un an, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé 2 ans derrière sur le marché de travail, tu vois un peu par la suite un peu comment ça va se passer, la tendance un peu dans les prochaines années. Voilà, donc il faut aussi développer aussi des compétences, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est primordial. Tu peux pas en fait t'orienter vers le marché, vers le freelancing sans que tu aies des compétences solides. Effectivement, ouais. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais, on a fait le tour, on a parlé. J'espère que la communauté. Je pense qu'ils vont bien aimer cette vidéo. Quand même une vidéo assez intéressante. Je pense que, bon, j'ai pas forcément couvert toutes les questions parce qu'il y a toujours des questions. Bah, n'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà. Et on peut faire des reels sur YouTube. Hein. Ouais, partie 2 ou bien des petites vidéos, des reels sur YouTube. Voilà. C'est des questions rapides. On peut faire un programme de 1 minute chrono, des questions rapides. N'hésitez pas à la communauté à poser des questions. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, de dire à tout le monde, c'est on ne garantit rien. La seule garantie, c'est votre compétence. Exactement. La seule garantie, c'est votre compétence. N'hésitez pas à monter en compétence. Ça sert à rien de postuler si on n'est pas bon, quoi. Exactement. Ça sert à rien de faire des trucs, d'entrer dans des process compliqués. Si et ne grillez pas les étapes. Effectivement. Step by step, c'est la vie. Voilà. Lorsque vous voyez une personne qui est arrivé à regarder il y a combien d'années d'expérience, combien d'années de sacrifices, combien d'années vraiment des insomnies, des nuits blanches qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là, ne se comparez jamais à une personne qui vous dépasse des heures d'années d'expérience. Comparez-vous à des personnes, à vos amis qui ont le même nombre d'années d'expérience que vous, et essayez de se challenger entre vous par donc la montée en compétences, par le veille technologique, et c'est ce qui va faire la différence et qui va vous rendre unique sur le marché après du travail. On va rester sur ce mot. Merci beaucoup. Merci Jordi. Si tu as aimé cette vidéo, rassure-toi d'avoir liké et de t'être abonné sur la chaîne. Je te reviens pour une nouvelle épisode.